Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo. Donc moi je tenais à vous présenter rapidement là le nouveau système qui est sorti For That Pay. Il a démarré récemment, le 11 novembre. Donc aujourd'hui nous sommes le 13 novembre. Donc c'était avant-hier. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que il a été créé par Pedro Forte. Alors Pedro Forte, en fait, c'est le fondateur de MLM Shop. MLM Shop que vous devez connaître, qui a déjà une renommée hein, sur le net. Donc c'est quelque chose de sérieux qui tourne bien. Et donc bon, de ce qui se dit, il aurait créé For That Pay pour que les gens puissent gagner de l'argent rapidement. De façon après à se diriger vers MLM Shop et investir dans MLM Shop. Bon, après il n'y a aucune obligation bien sûr, mais bon voilà, il a voulu créer un système comme ça de gains rapides surtout pour cette raison-là. Alors après voilà, si vous n'êtes pas du tout intéressé par MLM Shop, pardon, très bien, mais en tous les cas voilà, vous allez pouvoir vous faire de l'argent ici comme Click@Pay ou AdPacZ, enfin bon, tout ce qui se fait en ce moment, qui se ressemble, qui se copie, etc. Enfin bon, voilà. Donc après c'est des choses, bon, c'est pas le temps que ça va durer, etc. Bon, mais en tous les cas, Caps, hein, même si j'avais un avis défavorable au départ, ça paye bien et voilà. Voilà, c'est très bien. Donc en tous les cas, For That Pay, ce qu'il y a de bien, c'est cette personne qui a derrière, qu'on connaît, qui a pignon sur rue, donc en l'occurrence grâce à son système MLM Shop. Voilà, ça permet de se mettre plus en confiance. Ensuite, j'ai testé la Sowas, le nom de domaine. Ce qu'on voit bien, en fait, c'est qu'il a inscrit par son nom, Pedro Fort. Il n'a pas mis un nom bidon ou enfin c'est cohérent. Il y a une autre chose aussi, le nom de domaine qu'il a créé, c'est Ford at Pay. Ford de son nom de famille. C'est tout plein de petites choses où je me suis dit bon bah allez, pourquoi pas. Bon, c'est pas un gars qui se cache derrière son ordinateur. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a pignon sur rue, qui a une renommée, qui est connu. Donc pourquoi pas faire confiance? Alors moi je suis honnête avec vous, j'ai rien mis pour le moment, j'ai pas mis un centime. Je compte le faire justement. Je compte mettre même 50 $, vous voyez, pour tester. Enfin tester 50 $ déjà. Je me dis que on teste pas avec 50 $, on teste avec 5 $, 1 $ ou 10 $ éventuellement, mais pas avec 50 $. 50 $, c'est parce que déjà je me sens un peu plus en confiance. Pas que les autres, je suis pas en confiance, hein, mais celui-là, je me dis, allez, ouais, pourquoi pas. Et puis ça vient de démarrer il y a avant-hier, donc comme vous savez, ces systèmes-là, il faut démarrer tout de suite dans les premiers, parce qu'après, quand ça fait un boom, il vaut pas qu'ils avancent beaucoup plus rapidement. Donc là, ce qui se passe, moi, c'est que j'ai une personne qui a pris des packs, et donc du coup, moi, j'ai rien acheté, mais malgré tout, j'ai gagné 8 $. Ouais, j'ai pas mis un centime dedans, et malgré tout, j'ai quand même gagné 8 $. Alors voilà, pour ceux qui n'ont pas d'argent, si vous réussissez à trouver des gens qui, eux, achètent, du coup, ça vous permet d'acheter vos packs. Bon, je compte pas en rester là, puisque je vous dis, je compte vraiment, sincèrement, et puis je vous le montrerai plus tard, acheter pour 50 $. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avec ces 8 $, moi, j'ai pu acheter 4 packs. Alors, je vais vous montrer ici, sur l'historique de mes achats, ici, voilà. Aujourd'hui même, hein, aujourd'hui j'ai acheté. Donc j'en ai acheté un à 5 $ et j'en ai acheté 3 à 1 $. Ok, parce que vous pouvez acheter ou des packs à 1 $ ou des packs à 5 $. Donc ça c'est la différence avec Caps. La différence aussi c'est que vous touchez 20% de commission. Donc là vous voyez, là il y a une personne qui a dû prendre 40 $. Moi j'ai touché 8 $. Ok, et j'ai. Alors là il est 19h22. J'ai acheté à. Je vais réactualiser ma page là. Enfin, je l'avais déjà réactualisé. J'ai acheté vers 16h mes packs là que je viens de vous dire. Le pack à 5 $ et les 3 à 1 $. J'ai déjà 41 centimes sur ces achats-là. 41 centimes
Donc 41, si on fait sur 24 heures, 0,41 sur 3 heures, donc ok, donc tac, ça fait du 3,28 $ sur les 8 $ que j'ai investis, donc je vais gagner 3,28 $ par jour. Enfin voilà quoi, c'est quand même pas mal. Ça parle de voilà, on fait une moyenne, hein. Si ça continue comme ça, en sachant que là ça va plutôt exploser. Donc ça c'est en fait c'est pas grand-chose. Donc bon, vous imaginez ce que vous pouvez faire avec ce système-là, hein. Donc bah vous faites 10 clics. Alors pour le moment c'est 10 clics par semaine. Vous visionnez 10 publicités par semaine. Vous voyez là, j'ai tout ce temps-là devant moi avant de refaire mes clics.